Au début, j'ai joué avec les couleurs, je sentais que je pouvais toucher les couleurs. Je sentais que en approchant ma main, je pouvais. Les couleurs réagissaient sous ma main et faisaient des ondes, des vagues. J'avais le sentiment aussi d'être entouré des milliers, des centaines de milliers de fourmis, d'insectes, tous les insectes que j'aime pas. Des cafards, des tarentules. Et c'est là que j'ai eu une expérience la plus forte, peut-être la plus forte de ma vie, au moment que j'ai senti qu'il y avait, que j'ai plongé dans un trou immense, noir, qui pour moi semblait la gueule d'un serpent immense, beaucoup plus grand que moi, qui m'avalait tout entier, et que je pouvais pas bouger, je pouvais pas faire aucun mouvement. J'avais une énorme angoisse. C'est à ce moment-là que j'ai vomi. Et ce que j'ai vomissé, c'était des milliers de petites serpentes noires qui se déplaçaient très 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 vite. Et me sentais protégé par mes maîtres et ses assistants. Lorsqu'il m'a mis la main sur la tête, c'était comme la patte d'un jaguar. Et je me suis levé ce matin avec le sentiment que d'être un nouveau-né, quoi. Raphaël Zalvidea opens up easily, but not Flavien. Il y a des choses qui ne peuvent pas être racontées. Même si on le veut, c'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile de témoigner de ce que j'ai vécu hier soir. In the darkness, his anger comes to light. Le fait d'être filmé pendant les sessions d'ayahuasca, c'est assez difficile. Et on ressent vraiment par moments une agression. Quand ils se rebellent contre la société, contre ci, contre ça, je leur dis, mais est-ce que vous avez réussi à vous rebeller contre votre rébellion? Parce que ça, c'est l'acceptation parfaite. A few days later, Flavien speaks. C'est vrai que pendant les sessions que j'ai vécues jusqu'à présent, il y a beaucoup d'êtres que j'ai rencontrés depuis le début de mon existence, qui sont revenus, des camarades de la maternelle, qui ressurgissent comme ça, et puis qui prennent toute leur importance là, qui, on se rend compte que c'est des gens, ils sont primordiaux dans notre vie, quoi. Il y a quelques personnes qui me sont très proches et auxquelles j'ai eu comme la proposition de pouvoir aller les voir, de pouvoir leur rendre visite. J'y suis allé. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu, via Internet, il y a une personne en particulier qui m'a dit « Tel jour, tu m'es apparu et c'était vraiment très très intense. »
Flavien begins to confide in us, but has yet to be healed. His quest continues deep into the jungle to Iquitos, only reachable by boat or plane. After all the dieting and ceremonies, for several days he must abstain from alcohol, sexual relations, eating pork, and too much sunlight. His trip will take 3 days. On dirait qu'à ce moment-là, le mental, ça défile, ça coule un peu comme de l'eau. Et là, le mental, c'est plus lui qui règne, c'est plus lui qui fait sa loi, quoi. Il est là pour servir. On est aidé par l'ayahuasca, et de voir ce que c'est que de pas vivre sous l'emprise de ce mental qui est fait de conditionnement et qui est chargé de tout ce qu'ont pu vivre nos ancêtres. Mais quand même, le mental, il aime pas ça. On sent vraiment qu'il aime pas ça. Il cherche quand même à récupérer son empire. The snakes, the kindergarten classmates, the telepathy, the woman's voice, aren't they all just invented in the mind? C'est moi qui maîtrise, parce que je veux voir une femme à poil en ayahuasca, je veux voir une femme à poil, je veux voir un dragon rouge, je vais voir un dragon rouge. How then to discern true from false? Qu'est-ce que j'écoute, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'écoute? Je puis m'écouter moi-même, je puis écouter les désirs profonds, les angoisses profondes, et croire que cela parle, ça vient d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est quelque chose de tout à fait autre que moi-même. Il y a plein de pièges dans l'ayahuasca, qui sont nos propres pièges. La ayahuasca ne te lance pas des choses merveilleuses, c'est pour te reconduire à vivre avec confiance le chemin commun et ordinaire de tout le monde. C'est tout. He sets ashore at the shanty town of Belén. The town of Iquitos was founded during the rubber boom in the early 20th century and built on the graves of 30,000 Amerindians forced to collect latex in the forest. Iquitos then lay dormant until a new boom started, that of ayahuasca and its visions, which are plastered all over town. The major Amerindian tribes are now close, the law more fuzzy than elsewhere, and tourists are willing to cough up big money for an experience banned in the Western world. Tour operators who organize such excursions are rushed off their feet. Sí, por supuesto, hacemos una toma de ayahuasca que consiste en una bebida alucinógena. Es una experiencia muy bonita que lógicamente te hace ver ilusiones e incluso los problemas que puedas tener mañana o quién sabe en el futuro. Es muy interesante. Son programas opcionales para las personas que gustan tener una experiencia muy bonita. Es un programa, lógicamente, en 2 días lo puedes hacer mínimo, que cuesta un promedio de $200. 100, 150, 200. Welcome to Ayahuasca Airlines. Somewhere deep in the forest, without Flavien this time, but Spanish tourists. Here, there is no preparation, no darkness, no ritual. The potion is given in tiny amounts, but the clients are happy. They'll have their visions, and no matter what they mean. Whoa.